Voilà, salut à tous, bienvenue sur ma page, le vidéo 237. Bon, aujourd'hui, oui, nous allons montrer comment bypasser tous les Samsung en moins de 30 secondes. C'est très facile, ça s'effectue à l'aide du logiciel Blockdoll, vraiment qui est très puissant, très bon, très pratique. Vous-même regardez comment ça passe, c'est très facile. Je fais de la publicité comme ça là gratuitement. Ils m'ont même pas donné ça, enfin, pour ça, avec travail comme ça. Et en plus, ce logiciel fait les mises à jour presque toutes les semaines. J'ai dit même presque toutes les semaines. Et ils font dans les bypass iPhone aussi. Ils sont déjà à bypass 15 pour déjà. Pas très compliqué, c'est très facile sur tous les Samsung en moins de 30 secondes. Je dis même 30 secondes en passant par le mode ADB. Bon, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous massivement. Vous m'encouragez à faire plusieurs vidéos et ensemble on grandit la communauté. Merci, on se retrouve à la fin de la vidéo. Oui, vous allez constater. Cette page affiche parce que il y a un code qui a été frappé dans le menu appel d'urgence. Étoile jazz 0, étoile jazz, ça active le mode ADB automatiquement. Et là vous voyez, je pars dans l'onglet Samsung. Et ensuite dans la barre de recherche, j'ai mis d'abord les données de la Samsung pour m'assurer qu'elle est connectée. Du téléphone, modèle de la Samsung dans la barre de recherche de Blockdoll pour que je puisse trouver le modèle du téléphone en fait. Ouais, là j'ai la A10S. La A10S, je m'avais mis ensuite dans le mode de fonction et je vais juste valider Remove FRP. Et on me dit là de valider et je valide. Ouais, ça. Enable ADB, donc ça active automatiquement le mode ADB sur la Samsung. Vous voyez, quand ce mode est activé, ça va, quand ça charge là à 100%, ça te demande de valider sur le téléphone en fait. Vous allez voir là un message d'activation. Voilà, c'est là auto-activé. Ok, dès que je valide, vous voyez automatiquement le mode ADB. FRP a été déjà mis à zéro, a été supprimé. Mode ADB a été supprimé. Et ce qui fait que on aurait pu la page bloquée sur le Wi-Fi. On aurait pu la page bloquée sur le MPTOL. Et on va aller directement dans l'accueil pour le camp principal de la Samsung. Ce logiciel, je tiens à préciser, ce logiciel est payant en ligne. Vous pouvez me contacter si vous voulez avoir ce logiciel. Donc, il a une licence payante, mais ce n'est pas gratuit, ce n'est pas de crack. C'est un logiciel qui est logé en ligne, ça son serveur en ligne, tout le serveur. Et chaque temps, ces gars font des mises à jour pour augmenter les montées du téléphone qui n'en ont pas encore. Pour remédier à cette petite bug, pour améliorer en fait le logiciel, que ce soit plus confiant, plus en plus. Et déjà, c'est très fort comme ça. Donc voilà, c'était tout. Ça s'est effectué en moins de 30 secondes. Tu dis en moins de 30 secondes. Et que tu connais, tu vas aider le code, tu actives, tu vas aider le menu dans un bloc de menu. Ça efface le compte. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Likez, partagez. Et massivement, partagez massivement la vidéo. Abonnez-vous. Et à très bientôt dans une zone.